Meghan Markle, son CV refait surface et révèle d'étonnantes compétences. Avant d'épouser le prince Harry, Meghan Markle a eu plusieurs vies. Le monde entier sait qu'elle est entrée dans la lumière grâce à son rôle de Rachel Zane dans la série Suits, un personnage joué durant cette saison. Le succès à la clé, son rang de star du petit écran en poche, Meghan embrassait alors son destin quelques années avant de rencontrer son prince et de devenir la duchesse de Sussex. Mais comme tout le monde, la jeune femme n'a pas toujours connu la gloire. Elle a même traversé de grandes difficultés au début de sa carrière. Il ne suffit pas parfois d'être déterminé à se faire un nom pour conquérir le cœur des directeurs de casting / Preuve de cette première vie loin du strass et des paillettes, encore plus éloignée du palais de Frogmore House où elle va bientôt s'installer avec le prince Harry. La presse britannique dévoile ce vendredi 7 décembre son CV, où on découvre ses formations, ses premiers rôles, mais aussi des compétences spéciales et surprenantes qui ont dû se révéler très utiles quand elle a rencontré son époux, mais surtout son neveu et sa nièce, la princesse Charlotte et le prince George. Côté pro. Le CV révèle ses apparitions dans Allô Like Love avec Ashton Kutcher, mais aussi ses premiers rôles au théâtre. Rayon compétences, Meghan indique qu'elle fait du ballet, du jazz et des claquettes / Ça tombe bien pour sa nouvelle vie de duchesse, la princesse Charlotte adore la danse. Tout comme le prince George, qui l'apprend à l'école. Il se pourrait donc que leur nouvelle apostrophe et apostrophe tassi apostrophe leur donne dans les couloirs de Kensington des leçons supplémentaires / Pour terminer, Meghan écrit sur ce même CV qu'elle pratique le kickboxing. Mais aussi qu'elle parle couramment l'espagnol. Un autre point fort pour l'épouse du prince Harry. Car George et Charlotte maîtrisent aussi cette langue, ils la parlent avec leur nounou, Maria Borello.